Il s'agit d'une femme très peu sûre d'elle qui vit seule. Elle garde des sous-vêtements et des chaussures d'homme dans la maison. Elle fait délibérément comme si elle ne vivait pas seule. En conséquence, il semble y avoir quelqu'un d'autre dans la maison. Il manque inexplicablement la moitié du lait. Le couvercle des toilettes a été soulevé alors qu'il était manifestement couvert. La serrure à combinaison située à l'extérieur de la porte a été ouverte. Annie y a également trouvé des empreintes digitales. Elle avait changé la combinaison en sortant. Lorsqu'elle est rentrée chez elle le soir, elle a constaté que la combinaison avait de nouveau été ouverte. Annie est alors encore plus convaincue que quelqu'un la suit. Alors qu'elle s'apprêtait à aller se coucher, elle a entendu un bruit à l'extérieur de la porte. Il semblait que quelqu'un était en train d'appuyer sur le code. Au moment où Annie sortait du lit pour vérifier, la poignée de la porte tournait et tournait. Annie était terrifiée. Annie s'est approchée de l'œil du chat lorsque le bruit a disparu. Il n'y avait personne à l'extérieur. Elle a ensuite ouvert la porte avec précaution pour s'assurer à nouveau qu'il n'y avait personne dehors. Au moment de refermer la porte, Annie aperçoit un mégot de cigarette sur le sol. Elle appelle la police. Mais les policiers ne sont pas impressionnés et pensent même qu'Annie n'est pas raisonnable. Annie a dû se rendormir. C'est alors qu'un homme s'est glissé sous le lit. Il assommait Annie, puis se douchait et se brossait les dents. La brosse à dents a été remise à sa place. Il a nettoyé les cheveux sur le sol et s'est approché d'Annie. Nu, il s'est ensuite endormi en tenant Annie contre lui. Le lendemain, Annie s'est réveillée avec des vertiges et ne pouvait pas marcher très bien. Annie voulait un nouvel endroit pour vivre. Mais elle n'avait pas les moyens de payer le loyer élevé. Elle devait continuer à travailler dur. C'est alors qu'un homme est venu faire son marché. Parce qu'Annie lui a souri. L'homme a pensé qu'Annie l'aimait bien. Il a donc invité Annie à prendre une tasse de café. Mais Annie a poliment refusé. L'homme était furieux et pensait qu'Annie le regardait de haut. Alors qu'Annie ne savait plus où donner de la tête. Son patron est intervenu pour désamorcer la situation. Il a appelé la sécurité et a emmené l'homme. Elle a dormi longtemps avec un homme étrange sans le savoir. Il sort toujours de sous le lit lorsqu'elle est endormie. Ensuite, il l'assomme. Lui brosse les dents avec sa brosse à dents et utilise sa salle de bain pour se doucher. Annie est rentrée du travail. Elle a vérifié la serrure pour s'assurer que tout allait bien. Puis elle s'est endormie. C'était une scène familière. L'homme a étourdi Annie, s'est lavé et s'est rendormi avec Annie dans ses bras. Le lendemain, Annie se réveille et constate qu'elle a encore plus de vertiges dans la tête. Elle attendait le bus après le travail lorsque l'homme de tout à l'heure est apparu. Il a attrapé Annie et a insisté pour lui offrir une tasse de café. Le patron réapparaît, réussit à aider Annie et la raccompagne chez elle. L'électricité est coupée dans la maison. Annie allume la lumière de son téléphone portable pour le chercher lorsqu'on frappe à la porte. Annie est effrayée. Elle a regardé par l'œil du chat. C'était son patron. Son sac à main à la main. Annie avait accidentellement oublié son sac à main. Son patron est venu le lui rendre et a réglé le problème d'électricité. Annie était reconnaissante et voulait garder son patron pour une tasse de café. Alors que son patron se lavait les mains dans la salle de bain, Annie s'est souvenue qu'elle ne lui avait jamais indiqué le numéro de la porte. Comment l'a-t-il su ? Annie y a pensé et s'est précipitée pour appeler la police. Lorsque la police est arrivée, elle a ouvert la porte et a assisté à une scène horrible. Un homme est soudainement étranglé à mort par une poignée de porte. L'homme mort était le patron d'Annie. Il livrait le portefeuille d'Annie. Annie a cru qu'il s'agissait du tueur et s'est précipitée pour appeler la police. Lorsque la police est arrivée, son patron était déjà mort dans sa propre maison. La police a découvert que le patron avait demandé à l'agent de sécurité en bas de chez lui de trouver le numéro de la porte d'Annie. Annie avait des vêtements d'homme chez elle. Elle a également fait l'objet de soupçons de la part de la police. Ils pensaient qu'Annie avait tué son patron avec l'aide d'un autre homme. Annie savait que les vêtements étaient là pour sa sécurité. La police avait des soupçons mais n'avait pas de preuves et a dû relâcher Annie temporairement. Annie rentre chez elle en se disant que si elle ne déménage pas, elle n'aura pas autant de chance la prochaine fois. Elle range sa chambre et trouve une clé et une carte de porte sous la table. Annie se rend compte qu'il ne s'agit pas des siennes. Elle pense qu'il doit y avoir un lien avec le tueur. Elle prend donc la carte et va ouvrir la porte de son voisin. Après de nombreuses tentatives, Annie y parvient enfin. Elle entre à l'intérieur et trouve la maison couverte de poussière. Elle était manifestement inoccupée depuis longtemps. La facture indique que la jeune fille qui habite la maison s'appelle Judy. Annie a donc demandé à ses amis de mener l'enquête. Elles ont fini par découvrir que Judy venait tous les après-midi au supermarché pour acheter de la bouillie de blé. Ce jour-là, ils ont vu une femme. Ils la suivirent mais la perdirent à un embranchement. Les deux hommes ont dû se séparer pour partir à sa recherche. Annie est passée devant une maison et a trouvé une pile de boîtes de bouillie de blé devant la porte. Elle a trouvé cela étrange et est entrée. La serrure de la porte était exactement la même que la sienne. Annie a essayé plusieurs codes. Mais tous se sont avérés erronés. Au moment de partir, Annie saisit à nouveau son code. La porte s'ouvre. Annie a le courage d'entrer. Il y avait une femme sur le lit. Les mains et les pieds attachés et une bouteille suspendue à son corps. Annie a pris son téléphone et a appelé la police. À ce moment-là, la porte s'est ouverte avec fracas. Annie n'a pas eu le temps de s'échapper. Elle s'est cachée sous le lit. Un homme entre. Il a dit qu'il avait trouvé une nouvelle cible tout en donnant sa dernière chance à la jeune fille. Annie n'ose pas faire de bruit lorsqu'elle apprend que la cible est elle-même. Annie sort lentement de sous le lit pendant que le tueur est sorti. Soudain, le tueur est revenu. Annie s'est cachée derrière la porte, mais a assisté à une scène horrible. Le tueur était sur le point de couper la main de Judy. À ce moment-là, la respiration d'Annie s'est ralentie. Elle s'apprête à partir lorsque son téléphone sonne. Une jeune fille entre dans la maison et voit le tueur s'apprêter à démembrer le corps. Annie est terrifiée. Elle s'est donc précipitée vers la porte. Mais le terrain est difficile. En quelques instants, Annie est bloquée par le tueur. Annie a appelé. Mais personne n'a répondu. Annie s'est cachée dans un entrepôt abandonné. Mais elle a été retrouvée. Au dernier moment, son amie a poussé une brouette sur l'homme. Mais elle a fini par être maîtrisée et jetée à terre. Alors qu'elle était sur le point de s'évanouir.
Une voiture de police est arrivée. Le tueur a été contraint de partir. Les deux hommes ont donné un tuyau à la police, qui a fini par trouver la jeune fille sur le toit. La jeune fille tenait entre ses doigts une carte de visite appartenant à Amy. Cette carte a également été remise à l'homme par Amy. L'homme a ensuite été conduit au poste de police pour enquête. La police a également découvert qu'il était présent à l'étage d'Amy la nuit de l'accident de son patron. À ce stade, l'homme a déclaré qu'il n'était pas le tueur. Il n'aurait pas tué quelqu'un avec une scie. La police est perplexe et lui demande pourquoi il en sait autant. L'homme était charpentier et a dit qu'une telle coupure ne pouvait provenir que d'une scie. La police était presque certaine que l'homme était le tueur. Mais comme il n'avait pas de preuves directes, ils l'ont laissé partir. Après cet incident, Amy a emménagé dans une nouvelle maison et a soudain reçu un colis. Il s'agit d'un téléphone portable contenant une photo d'elle en train de dormir. Juste à ce moment-là, un autre téléphone sonne avec un appel vidéo. Amy répond et est surprise de trouver le tueur chez son ami. L'ami d'Amy ne sait pas ce qui se passe et n'entend pas les appels d'Amy. Amy se précipite chez son ami. Elle était déjà inconsciente. Lorsqu'elle arrive à la porte de son ami, elle voit que le tueur est sur le point de lui scier la jambe. Elle prend un extincteur et commence à défoncer la porte. Soudain, un homme la saisit. Il s'agissait de l'homme qui lui avait proposé de lui offrir un café. Il a battu Amy. Dans un moment de crise, la police est arrivée et a maîtrisé l'homme. Son ami a été immédiatement transporté à l'hôpital, où elle a eu la chance de ne pas être gravement blessée à la jambe. La police a eu honte d'Amy et lui a remis un appareil de surveillance. Il a également déclaré qu'il condamnerait l'homme dès qu'il aurait ses empreintes digitales. Amy est rentrée chez elle et a commencé à vérifier la vidéosurveillance. Un jour, Amy fait ses courses au supermarché. Un homme est venu la saluer. Il s'agit de l'ancien agent de sécurité du quartier d'Amy. L'agent de sécurité est très accueillant. Mais Amy se sent mal à l'aise. Amy s'en va quand elle entend soudain une conversation familière. Elle se retourne pour voir le bol de porridge au blé. Terrifiée, elle est rentrée chez elle et a verrouillé les trois serrures. C'est alors qu'un appel de la police est arrivé. Il a dit à Amy de ne pas sortir. Quelqu'un d'autre était responsable du meurtre, parce que cet homme avait été assassiné. Ce qui s'est passé ensuite est encore plus horrible. Amy s'est souvenue de l'appareil photo et a allumé son téléphone pour vérifier. Elle a été horrifiée de découvrir que le meurtrier était l'agent de sécurité. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que l'agent de sécurité n'était pas parti, mais qu'il se cachait sous le lit. Amy s'est assise sur le lit, n'osant pas bouger. Soudain, une main est sortie de sous le lit et a attrapé la jambe d'Amy. Amy se réveille et découvre que le tueur la tient dans le dos. Elle a essayé de se lever, mais elle était trop faible pour le faire. Amy a fait semblant de vomir et en a profité pour mordre le gardien à l'oreille. Elle s'est emparée d'une aiguille anesthésiante, l'a enfoncée dans le corps, puis s'est enfuie. Mais les portes et les fenêtres étaient scellées. Amy a dû se cacher dans une pièce et a pris un verre pour se protéger. Le tueur s'est approché lentement d'Amy avec une hache, alors qu'il ouvrait la porte. La police est arrivée en criant le nom d'Amy. Alors que la police s'apprêtait à retrouver Amy, le tueur l'a attaqué directement par derrière. Les deux hommes se sont débattus, mais il n'y avait aucun bruit à l'extérieur. Amy s'est emparée de la hache et est sortie, pour découvrir que le policier avait été tué. Le tueur s'empare alors de la hache et tente de couper la main d'Amy. Amy se défend. L'armoire tombe et les deux femmes sont coincées contre elle. Amy a poussé assez fort pour que la tête du tueur s'écrase contre le clou. Le tueur est mort sur le coup. Finalement, Amy a été acquittée pour légitime défense. Elle rentrait chez elle avec un vague sentiment de malaise et regardait toujours sous son lit.